Alors que la candidate française Lazara a été dénoncée pour son manque de fair-play après la finale de l'Eurovision ce 13 mai, on apprend que quelqu'un d'autre était pressenti pour représenter la France. Alors qu'il y a 2 ans, Barbara Pravi, la candidate de l'Hexagone, était arrivée en 2e position au classement final de l'Eurovision et que l'exploit n'avait pas été renouvelé en 2022, le comité de France Télévisions chargé de désigner l'artiste qui représente la France au concours international avait annoncé que ce serait Lazara, révélation francophone des Energy Music Awards 2021, qui défendrait le drapeau tricolore pour cette année 2023. Pourtant, on apprend ce 15 mai dans Le Parisien qu'un autre artiste, beaucoup plus connu des Français celui-là, avait été pressenti à occuper cette place. C'est ce samedi, à Liverpool, que se déroulait la finale du concours musical. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée a été pleine de surprises. Commentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, elle a fini par sacrer la Suède et sa chanteuse Laurine pour son titre Tattoo. Elle a aussi vu intervenir la princesse Kate Middleton dans le clip d'introduction de la soirée ou encore a laissé la place à des tenues excentriques chez les représentants des pays participants à l'image de celui qui annonçait les votes de l'Islande. Une candidate française qui fait polémique, mais deux éléments ont gêné les téléspectateurs français au sujet de celle qui les représentait, alors que l'interprétation de son titre évidemment en cours de soirée avait fait l'unanimité parmi eux, son départ de la salle avant même l'annonce définitive des résultats et surtout sa réaction lorsqu'elle a appris le nombre de points qui lui avaient été accordés par le public européen ont été plutôt mal vécus par les fans. Après l'annonce de ce score, la jeune femme a en effet dégainé un doigt, son majeur, d'abord vers le bas puis vers le haut, en direction de la caméra. Un geste que beaucoup ont interprété comme un doigt d'honneur, même si l'artiste affirme qu'il s'agissait d'un geste de déception que l'on pourrait traduire par un « ainsi soit-il ». Plusieurs médias à l'image du Figaro ou France Info ont effectivement associé ce geste à un tose, un geste d'indifférence voire de refus ou de mépris. Aucune volonté de choquer ou de provoquer, a-t-elle pourtant justifié sur son compte Instagram. Quoi qu'il en soit, son geste a ému de nombreuses personnes, à l'image de Marie Myriam, dernière gagnante de l'Eurovision pour la France en 1977. Lazara plutôt que Slimane, alors que les années précédentes, la France avait compté sur le choix du public pour déterminer qui représenterait notre pays lors de cet événement annuel, la chef de la délégation et en même temps directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions Alexandra Redamiel avait décidé de retenir elle-même la candidature de Lazara. À ses risques et périls, explique pourtant un proche de la production ce lundi, alors même que l'artiste ne s'était pas rendu au concert de l'Eurovision du 15 avril à Amsterdam, elle avait été prévenue de son côté ingérable, affirme-t-il avant d'expliquer, il y avait une possibilité de prendre une chanson de Slimane, mais Alexandra a préféré Lazara. La France aurait donc pu être représentée par la star aux millions de disques vendus et aux dizaines de prix, vainqueur de The Voice en 2016 qui s'est fait remarquer ces dernières années par sa collaboration en duo avec Vita. Un mal pour un bien, estime en tout cas un proche de la délégation avant de conclure. Ça va tout remettre à plat chez tout le monde. À lire aussi ses révolutionnaires, Lazara répond sèchement à Marlène Schaff, professeur de la Star Academy, qui a critiqué sa prestation à l'Eurovision 2023.